Bonjour, aujourd'hui je veux vous parler du pronom en qui est quand même un peu difficile à utiliser, mais avec un exemple, ça va devenir très clair. Dans ma capsule French Presso sur le marché de Noël à Sofia, je dis que les marchés de Noël, il y en a un peu partout. Donc il y a des marchés, il y en a. Donc les marchés de Noël, il y en a un peu partout. Et je dis aussi qu'à Sofia, il y en a un. Donc, il y a un marché de Noël. Le 1, on va le répéter. Donc, il y a un marché de Noël. Il y en a un. Il y en a un. Et vous vous souvenez de la capsule « il y a » où j'explique que « il y a », c'est souvent « y'a » ou « y'a » au Canada. Alors, les marchés de Noël, il y en a un peu partout. Il y en a entre autres un à Sofia et il y en a aussi un à Québec. C'est tout!